Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve ce mardi pour l'analyse du match entre Bruges et le Paris Saint-Germain. Un match hein, qui n'est peut-être pas si facile qu'il peut en avoir l'air pour les Parisiens. Bruges, c'est une équipe qui a commencé sa Ligue des Champions avec deux matchs nuls. Un match nul contre Galatasaray et un match nul contre le Real. Les Belges, ils auraient même pu s'imposer à Santiago Bernabéu où ils menaient 2-0. C'est une équipe qui est invaincue et en tête de son championnat. Zéro défaite en championnat en 10 journées et zéro défaite en Ligue des Champions. C'est Paris qui va jouer contre une équipe qui n'a pas perdu depuis le début de saison. Donc les Parisiens, ils ont gagné les deux premiers matchs de cette Ligue des Champions et ils sont déjà en tête du groupe avec 4 points d'avance après avoir battu le Real et Galatasaray. Alors évidemment, le PSG est favori de ce match et je pense qu'effectivement, ils sont au-dessus et ils vont gagner. Donc je vous propose la victoire du PSG avec une cote à 1,60. Mais, ça va pas être, je pense, un match aussi facile que ça. Les Belges, il faut vraiment pas les sous-estimer et je pense que le PSG ne va pas énormément marquer dans ce match. C'est deux équipes qui ont des belles défenses. Si on regarde un petit peu les stats des Parisiens, c'est 9 matchs sans encaisser de but depuis le début de saison. Si on regarde Bruges, c'est 5 buts encaissés seulement en 12 journées de championnat belge. Si on regarde ensuite un petit peu les effectifs, on voit que du côté Bruges, Vormer, qui est un joueur important au milieu de terrain, ne sera pas là. Du côté du PSG, donc on a Neymar qui s'est blessé, on a Mbappé qui est toujours sur le retour. Hein. Tourelle a clairement dit qu'il ne jouerait pas tout le match. Donc entre les défenses solides et les absences de joueurs importants, je pense qu'il n'y aura pas tant de buts que ça dans le match et je vous propose d'assurer avec un moins de 3,5 buts coté à 1,35. Si vous êtes aventureux, vous pouvez même aller jusqu'au moins de 2,5 buts. Et pour finir, donc un pari buteur. On va continuer sur la lignée de ce qu'on a vu ce week-end et pour moi, ce sera Di Maria avec une belle cote à 2,85. Di Maria hein, qui brille, qui est en forme en ce moment. D'ailleurs, il y avait un article dans l'équipe de ce matin qui expliquait que Di Maria était plus décisif en l'absence de Neymar. C'était assez intéressant. Je vous invite à le lire. Donc alors, vous l'avez compris, voilà mes trois analyses sur ce match. La victoire du PSG cote 1,60, moins de 3,5 buts à 1,35 et Di Maria buteur cote à 2,85. Donc pour jouer sur l'un de ces paris, sachez que vous pouvez profiter d'un bonus de 120 euros remboursé en cash sur Paris Long Sport en ligne. Donc c'est un bonus limité, hein, c'est seulement jusqu'au 29 octobre. Donc vous en avez plus que pour une semaine, donc c'est le moment d'en profiter. Donc, par exemple, si vous misez vos 120 euros sur Di Maria buteur à 2,85, vous pourriez, s'il marque, remporter 342 euros. Et s'il ne marque pas, vos 120 euros vous sont remboursés et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire. Et donc si vous voulez rejoindre notre VIP, si vous voulez plus d'analyses, beaucoup de pronos en ce moment, donc ce soir c'est la reprise de la NBA et on a déjà une première analyse Gold qui a été rentrée dans le VIP. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces pronos en commentaire et je vous dis à très vite, dès demain, pour les analyses de Lille et de Lyon.